Bonjour à toutes et tous, et bienvenue sur la chaîne pour une vidéo qui n'était pas prévue à la base. C'est une vidéo de présentation de Soundtracks, un CD qui est sorti il y a peu, c'est sorti début du mois de mars, ça dépend un petit peu des boutiques, par rapport au dessin animé Space Adventure Cobra. Donc il s'agit donc du soundtrack, le score, hein, comme moi j'aime beaucoup, la musique si vous voulez. C'est Wayo Records qui fait ceci, donc la musique composée par Kentaro Haneda. Et vous pouvez le voir, donc c'est sur deux disques cette musique de Cobra qui sont vraiment très très bien remplies. Vous avez 39 pistes pour le CD 1 et 26 pistes pour le CD 2. Alors comment est-ce que c'est fait? C'est un très beau digipack avec écrit Space Adventure Cobra Original Soundtrack. Très belle illustration à l'avant, hein, légèrement brillante. Et quand on ouvre le digipack, vous avez encore ici une illustration qui est vraiment très sympathique, très jolie. De l'autre côté, ça fait un petit peu plus vintage, mais c'est sympa également comme illustration. Quand on ouvre, vous avez alors le premier disque, noir avec un cercle rouge, et l'autre noir avec un cercle un petit peu plus violet. En dessous, si on enlève, je vais vous montrer, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est juste un fond rouge avec des petits cadres jaunes. Ce n'est pas tout, il y a aussi un petit livret qui va avec. Voilà. Cobra donc, original soundtrack. Le détail des pistes. Alors ce qui est juste dommage, c'est qu'ils n'ont pas mis la durée totale des disques. Cependant, j'ai déjà un petit peu écouté. Sur le CD 1, vous avez par exemple à peu près 71-72 minutes de musique, donc le CD est quand même bien rempli. Et sur le CD 2, vous avez quasiment 70 minutes de musique. Donc au total, vous êtes à 140 minutes, ce qui est plutôt bien. Ça signifie que vous avez quand même énormément de choses par rapport à cette série. Encore ici, une illustration. C'est écrit en anglais à l'intérieur, mais bon, ça c'est pas très très grave. Vous avez un petit mot sur l'auteur de Cobra, hein, Nobuichi Terasawa. Sur le compositeur de la musique, Kentaro Haneda. Un autre compositeur en dessous. Les paroles, au cas où certains s'amuseraient à chanter en japonais, vous les avez ici. Hein. Donc il y a le soundtrack score, oui, mais aussi quelques chansons. On ne peut pas passer à côté du générique de Cobra, par exemple. Vous avez une autre chanson qui s'appelle Secret Desire. Une autre, Lady. Sweet Happening, et alors Sayonara Man's World. Une série de petites images encore sur cette page ici, et enfin donc quelques crédits avec encore des images. Le CD 1, c'est vraiment le score dans son entièreté. Le CD 2, c'est plus ce qu'on pourrait appeler un fourre-tout. Hein. Vous avez par exemple une chanson en fast tempo, vous avez une version télé d'une chanson, vous avez des versions karaoké, par exemple Lady, vous l'avez en karaoké, Cobra, vous l'avez en karaoké. Cobra, la version longue et pas la version télévision, vous la trouvez à la piste 22 du CD 2. Ici, par exemple, c'est une version série TV, donc c'est la version du générique, si vous voulez, d'à peu près une minute. Et ainsi de suite, quoi. Le style, c'est plutôt pas mal. Bon, certains n'aimeront pas, mais c'est un peu funk, un peu jazzy, un peu lounge. C'est vraiment une musique d'ambiance, mais avec des bons morceaux, franchement, il y a des bonnes pistes. De toute façon, les scores des années 80 des animés sont vraiment très très bons dans l'ensemble. Donc, si vous aimez la série, vous ne devriez pas être déçu. Les autres qui découvriraient risquent peut-être d'être un petit peu surpris par la musique. Mais bon, comme je dis, c'est un style, hein. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Ça plaira à certains, les autres passeront leur chemin. Voilà, c'est tout par rapport à cette courte vidéo consacrée au soundtrack de Cobra. Donc si ça vous intéresse, allez-y, parce que c'est pas disponible partout, donc si vous le voyez, que vous êtes intéressé, sautez dessus. La vidéo est donc terminée, hein. Comme d'habitude, si elle vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu, vous écrivez un commentaire, vous partagez la vidéo. Et si tout le contenu pop culture de la chaîne vous plaît, eh bien, vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bon, je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo. Ciao !
il est mon appui, y'a tout ça.